1429. La France est rétrécie, avec un roi en devenir qui attend son sacre, le dauphin Charles, fils d'un monarque fou qui l'a déshérité au profit du roi d'Angleterre, entraînant une guerre qui n'en finit pas. Une guerre de 100 ans entre France et Angleterre qui déchire et ruine le royaume de France. Jusqu'à Orléans qui menace de tomber aux mains des Anglais et tout semble perdu pour le très faible Charles. Mais l'apparition d'une jeune femme de 17 ans, Jeanne d'Arc, va mettre Dieu du côté des Français, délivrer Orléans et faire sacrer Charles à Reims. Le souffle et l'enthousiasme de Jeanne a redonné du cœur aux Français, mais rien n'aurait été possible sans les capitaines, véritables seigneurs de guerre qui l'entourent. Parmi eux, Gilles de Rais, 25 ans, fortuné, violent, arrogant, sans scrupules, redoutable soldat, mais aussi très mystique, va par sa rencontre avec Jeanne être traversé par la grâce et trouver un sens à sa vie, une légitimité, celle de servir le royaume de France et d'aider au sacre du roi. Mais bien vite, Jeanne d'Arc est trahie, vendue aux Anglais, et sa mort, brûlée vive pour hérésie, réveille les démons intérieurs, la folie de Gilles. 11 ans vont passer, 11 ans de déchéance et de course à l'abîme, 11 ans d'errements, d'incantations diaboliques, de magie noire, de délires alchimiques et surtout de crimes abominables d'enfants innocents. Car du haut de ses remparts de son château de Machecoul, entre duché de Bretagne et royaume de France, c'est un Gilles de Rais psychopathe, meurtrier en série, qui, en ce 15 septembre 1440, voit s'avancer l'armée de Jean V, duc de Bretagne, venu pour l'arrêter. Mais, contrairement à toute attente, Gilles de Rais n'oppose aucune résistance et se laisse emmener prisonnier sans coup férir, malgré son légendaire tempérament belliqueux. Comment et pourquoi Gilles de Rais, maréchal de France, a-t-il pu être arrêté chez lui, à son château de Machecoul, en territoire français, par les hommes du duc de Bretagne, Jean V? Pourquoi cette arrestation? Va-t-elle entraîner une réaction du roi de France? Est-ce un ultime épisode de la guerre de Cent Ans? Gilles de Rais, ancien compagnon de Jeanne d'Arc, est-il réellement coupable de crimes abominables d'enfants? Pourra-t-il échapper à la justice du duc? C'est tout le mystère et l'enjeu du procès de Gilles de Rais, l'une des plus sanglantes affaires criminelles de l'histoire de France. Un maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, arrêté dans son château par les hommes du duc de Bretagne. Comment a-t-on pu en arriver là? En fait, en ce mois de septembre 1440, Gilles de Rais arrive au bout de sa descente aux enfers. Il touche le fond de l'ignominie et par son comportement, il s'est isolé de tous, perdant aussi bien le soutien de Charles VII, roi de France, que de Jean V, duc de Bretagne, les deux puissants personnages dont il dépend, et qui commencent à le trouver encombrant, gênant, de là à vouloir s'en débarrasser. D'autant que Gilles de Rais ne leur est plus d'aucune utilité, car ruiné et contraint à la vente pure et simple de ses terres et châteaux. C'est vrai, j'ai constamment besoin d'argent. Je dois rembourser des créances de plus en plus lourdes et de plus en plus pressantes. Mais si mes finances sont au plus mal, c'est que j'ai mis ma fortune et mon sang au service du royaume de France. Je me suis battu pour le roi Charles aux côtés de Jeanne, et je ne me suis jamais, moi, comme l'évêque Malestroit, vendu aux Anglais. Il a perdu la confiance du roi. Il n'a plus d'argent, il ne peut plus lui être d'aucun soutien. Il a perdu la confiance du duc de Bretagne, qui est son principal débiteur. Il est acculé à la faillite, donc il a des mouvements d'humeur absolument insupportables. Il avait par deux fois enlevé l'évêque de Nantes, qui évidemment s'en est souvenu. Oui, c'est un fait. Gilles de Rais s'est inscrit dans une spirale infernale de déchéance. Il en est même réduit, lui, un maréchal de France, aux pires extrémités, pires expédients.